La méthode des chaînes physiologiques, c'est premièrement une méthode d'examen, deuxièmement une méthode de traitement manuel. L'examen, il est fondamental. Il doit être complet, il doit être rigoureux, il doit être méthodique. Dans chacune des chaînes, on va mettre en évidence par la palpation, par des tests de mobilisation, on va mettre en évidence les points de tension. Quand tous ces points de tension sont répertoriés, quand on en a fait la cartographie, on va pouvoir faire la synthèse, c'est-à-dire analyser la logique, la cohérence de tous les maux, de toutes les dysfonctions de notre patient. On peut, à partir de cette synthèse, programmer un traitement qui aura la qualité de répondre de façon spécifique aux problèmes de nos patients. Ce traitement est basé sur des postures de relâchement, sur des postures de détente au niveau de chacune des chaînes, avec des modalités, avec une technicité différente. Chacune des chaînes va se relâcher avec la participation du patient qu'on implique dans la détente et dans le relâchement. Le but de ce traitement, c'est d'avoir une meilleure détente, avoir une meilleure mobilité, avoir une meilleure statique. À partir du moment où on libère toutes les tensions internes, le sujet va pouvoir s'épanouir et il va y avoir une amélioration de la fonction.